dire oui aux migrants qui viennent dans nos pays, dans ces régions, quoi. Pourquoi ça te semble important? Parce que je me dis que si j'étais à leur place, j'aurais aimé qu'un pays nous ouvre les bras. Et toi, tu serais prête à recevoir des migrants dans ta famille? Je sais pas, oui, je pense. Il y en a qui trouvent qu'il faudrait plutôt s'occuper d'abord des gens qui sont pauvres chez nous et des SDF. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je trouve que c'est une question de vie ou de mort, là. C'est, d'accord, les SDF, il faut s'en occuper, ils ont froid, ils ont faim. Mais ces gens-là, ils sont comme des squelettes, tellement qu'ils n'ont pas à manger. Ils ont plus que froid, ils sont presque congelés. Ils traversent la mer et j'aimerais pas, moi, si je devais traverser la mer et endurer plein de périples et qu'une fois arrivé, là où je pensais trouver le bonheur, qu'on me dise non, j'attends que t'es pas d'ici. J'ai l'impression que ils réfléchissent pas encore suffisamment. Je pense qu'ils se mettent pas encore assez à la place des autres. Ils se disent que eux, ça leur arrivera jamais d'être dans la misère. Donc ça fait une petite pancarte? C'est bienvenue chez nous. Et quand on la retourne, c'est bienvenue chez vous. Parce que je pense que c'est mon pays, je suis née ici, j'ai grandi. Mais je pense que tous les pays sont suffisamment grands pour accueillir tous les migrants.